Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de canard fait au four. Voilà, comme vous le savez, hein, le canard n'est jamais facile à cuire. C'est une viande qui prend du temps pour cuire, hein, pour cuire correctement. Donc voilà, je ne vais pas parler de recettes rapides, mais plutôt de recettes simples. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter les ingrédients. Je commence donc par les cuisses de canard. J'ai choisi deux cuisses de canard. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est mon chéri, mon mari. Donc, deux cuisses de canard, c'est pour deux personnes le repas. Environ 250 à 300 g de pommes de terre. Un oignon moyen comme ça. De l'ail. De l'huile d'olive. Huile d'olive. Du sel. Et je vais passer aux épices. Comme épices, je vais utiliser du thym, voilà, du persil et puis du poivre blanc. Et je terminerai donc à présenter ma présentation donc par un bouillon de cube au choix. Voilà, c'est parti pour la réalisation. Je commence donc par mettre de l'huile d'olive au fond de mon plat à four. Voilà, j'étale dans mon plat à four. Je viens étaler également mes oignons découpés en lamelles dans mon plat à four. Voilà, pendant ce temps, j'assaisonne mon canard. Je commence par y mettre du sel de deux côtés. Je mets donc du sel de deux côtés du canard. Et je viens déposer au-dessus. Je viens déposer au-dessus des oignons découpés. Les oignons découpés et étalés dans le plat à four. Voilà. Je rajoute les autres ingrédients. Je commence par du poivre. Ensuite, du persil. Puis du thym. Je rajoute une couche d'huile d'olive, 2 cuillères par-dessus, 2 cuillères par-dessus de chaque cuisse. Et puis je viens déposer l'ail. Sans l'écraser, sans découper, comme ça. Je les lance comme ça. Je les dépose comme ça, des gousses d'ail. Et je vais renfourner notre plat. Voilà, pour environ 1 heure de temps. Ensuite, je reviendrai rajouter nos pommes de terre. Avant de renfourner notre plat, je viens verser notre bouillon fondu dans un verre d'eau. Voilà. Je couvre notre plat. Je couvre notre plat à four et je le dépose dans le four pendant environ 1 heure. Et ensuite, je viendrai rajouter les pommes de terre. Sortir notre canard du four après 1 heure et je vais ajouter nos légumes. Voilà, donc j'ai découpé les pommes de terre comme ceci, en petits morceaux. Je vais commencer par tourner notre canard pour permettre à l'autre côté de cuire pareil.
Voilà, je tape donc les pommes de terre là-dedans. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'ai prévu de rajouter du haricot. Oh, pardon, désolée, j'ai prévu de rajouter des carottes. J'ai fini d'étaler. Je vais remettre dans le four pour 30 minutes. Thermostat 150. Je ne sais pas si je l'avais précisé. Thermostat 150.